Tout le monde, c'est Dylan et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier tuto chorégraphique avec Neodance Academy. Du coup, aujourd'hui, on va travailler ensemble sur la dernière chorégraphie que j'ai créée sur le titre No One de Alicia Keys, que vous connaissez tous plus ou moins, je pense. Donc, c'est une choré plutôt de style jazz, voire modern jazz, mais je n'aime pas utiliser un seul style de danse pour définir ce que je crée, parce que je m'inspire vraiment de tous les styles, du coup, on peut dire que c'est une choré de moi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir en l'apprenant et c'est parti! La chorégraphie n'est pas si simple que ça, mais vous inquiétez pas, pour les moments un petit peu techniques, je vais proposer des options afin que tout le monde puisse l'apprendre correctement. Ce qu'il va falloir vraiment être attentif, c'est la musicalité, car j'ai vraiment tout créé sur les paroles et sur l'instrumental. Chaque mouvement a sa place dans la musique, donc vous pouvez pas passer à côté. Et let's go. Donc tu vas commencer comme tu souhaites, par trois accents. Il y a un accent boum et boum, boum. Échapper, tu vas ouvrir les deux jambes avec une arche, la tête qui dégouline. Tu vas attraper à gauche, attraper à droite avec le transfert des appuis à chaque fois. Quand tu vas à gauche, tu mets ton poids sur la jambe gauche. Quand tu vas à droite, tu vas sur la droite. Tu vas revenir au centre pour regarder en haut avec les coudes et revenir net en revenant face. Encore une fois ça. Boum, boum, échappe. À gauche, à droite, en haut, reviens face. De là, tes mains vont faire une sorte de petit soleil et tu vas attraper tes avant-bras. Du coup, tu es ici, tu vas ouvrir, fermer vers la gauche. Pour donner une impulse, et monter en regardant ta main vers le ciel. Du coup, on a fait gauche, droite, boum, boum, chou, impulse, et une deuxième impulse pour monter en retiré avec une arche. Du coup, tu vas devoir coordonner la jambe qui revient avec les bras qui montent, et tout monte en même temps avec le retiré demi-pointe. Encore une fois du début. Un accent libre, et boum, boum, échappe, gauche, droite, ouvre, ferme et transfère, impulse, impulse et tu vas venir ouvrir ici. Donc de là, ça va être assez rapide, tu vas incliner, revenir face, amener les poings et relâcher devant. Donc en fait direct, tu dois tenir bien ton équilibre pour arriver et boum, 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 ferme et pour venir placer ta main ici. Je finis juste cette première partie. Une fois arrivé là, tu vas avoir deux rebonds. Boum, boum. Et tu vas venir ouvrir. Donc de là, tu vas devoir ouvrir la jambe en attitude et les deux bras et le regard vers le ciel. Et si tu arrives à me coordonner, du coup, l'attitude, l'arche, les bras et le relevé, ce sera parfait. Donc juste pour la musicalité, on va revenir au début. Là dans l'instru, on va entendre une cymbale, 2, 3 et poum. Elle va dire I just want to close et boum, boum. De là, on va prendre le piano. Dans l'instru, vous entendez ce qu'il fait. C'est ici qu'on va le prendre.
Tin, 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 tin. Et là, boum, on reprend la basse. Et basse, basse, chou, la résonance. Encore une dernière fois. Et boum. Ha, ha, chou. I just want you close. Chou. Ka, 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 boum. Boum, boum, et. Du coup, on est arrivé après la suspension. On va enrouler par la tête, poser la jambe droite devant. Et tu vas amener bras droit, bras gauche. Du coup, pour les bras, là, ça va juste faire droite, gauche. Tu vas venir caresser et amener l'intention vers le côté pour faire gauche, droite, gauche. Celui-là est très rapide. Ça fait droite, gauche, caresse, hé, hé, hé. Du coup, si on fait avec le buste et la jambe, on est arrivé droite gauche. Tu vas décaler la jambe droite pendant que tu fais les deux caresses. Et quand tu fais les bras, KKK, tu vas venir en avant. Tu vas repousser sur ton pied pour donner une impulse, tendre ta jambe et passer par-dessus pour revenir en parallèle largeur bassin ici. Encore une fois, juste ce petit passage au sol. Bras, 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 étire. Net, net, net. La jambe. Tu vas passer la jambe gauche ici. Tu t'aides de tes mains pour te replacer. Et tu vas dérouler en même temps avec les bras en haut. Et revenir avec les poings. Je continue un petit peu. On est monté. Boum. Je me souviens plus. On a fait sion. Boum. Et on va ouvrir et amener quelque chose sur la hanche droite et la même chose à gauche. Donc là, tu peux y mettre ton style, ton flow, flow que je n'ai pas trop, mais que je m'y dois un petit peu. Et ferme, boum, boum, ouvre, ferme. Du coup, on va revenir sur cette petite suite pour la musicalité. Une fois qu'on est arrivé ici, on a plongé. Elle va dire, You can be a. Quelque chose dans ce genre, je ne sais pas vraiment ce qu'elle dit, elle va dire You can be a show-oh-oh. Wow-wow. C'est sur la fin de sa note. Wow-wow-wow. You can be show-oh-oh. Ha-ha-ha-oh. And you can shum-ka. Accent, accent, boum-ka. Ici, c'est plutôt sur l'instru. Il y a encore les trois. Boum. Boum, ouvre, ka, caisse claire. On s'écoute ça juste une fois en musique, on se la marque. De la choré, on passe à la deuxième partie. On a ouvert, fermé. De là, tu vas faire épaule droite, épaule gauche, épaule droite. Ouvre les bras avec la tête en haut et reviens net avec le bout de tes doigts. En fait, tu viens creuser ton sternum. Ouvre, ferme. Donc de là, épaule, épaule, épaule. Ouvre, ferme. De là, tes jambes vont faire ça et tu vas pivoter. En même temps, tes bras vont passer autour de ta tête. Donc, tu vas passer ici pour pivoter et te retrouver ici. De là, ta jambe va faire en dedans et rond de jambe. Donc, ici, tu as plusieurs options. Tu as fait chouk, les bras accompagnent. Soit tu fais en dedans et t'attrapes ta jambe pour monter là-haut, ou soit tu peux simplement faire un rond de jambe. Tout ce qu'il faut avoir, en tout cas, c'est juste l'en dedans, en dehors, pour arriver ici et ici, avec un petit déhanché. Donc on reprend ça.
KKK monte, chou, pivote, en dedans, en dehors, en bas, chou. De là, le petit mouvement du bassin, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On a fait chou, chou, A, A, ta, 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 ta. Un cercle de tête et tu vas venir étirer en caressant ici ta poitrine et avec ton bras droit, la jambe droite. Donc, ta ta ta, ta ta ta, et tire. Donc pour la musicalité, ça va nous donner. You and me together, bass, through the day and night. I don't worry, cause everything's gonna be alright. Heureusement que je ne m'avais pas à chanter. Hein. Et you and me together, boom, to the day and night. I don't worry, cause everything's gonna be alright. J'avance un petit peu encore. On est arrivé dans cette position, tu vas revenir et tu vas avancer gauche, droite avec une contraction très forte au niveau du ventre. Tu vas amener les mains ici, chou, chou, ça c'est rapide, contracte, contracte. Ta jambe droite, elle va venir, ta jambe gauche, pardon, elle va venir remplacer ta droite et tu vas avoir un rond de jambe. Je recule un petit peu, chou, chou, bam. De là, normalement il y a un grand saut, mais ça dépend de votre espace. On va adapter en faisant plusieurs options. Donc on est arrivé, soit tu fais le saut que j'ai fait, donc tu vas appuyer sur tes deux jambes et tu vas propulser en fait, avec, comme si tu faisais un grand battement, tu propulses la jambe droite et la jambe derrière est attitude. Et si tu peux m'amener en même temps avec un cambré. Du coup si on fait le saut, on va sauter, rouler et revenir ici. Sinon, tu peux me faire juste un tour attitude. On arrive ici. Tu peux faire tourne, roule et remonte. Pour faire de là, il y a un petit moment libre à toi. C'est plutôt un petit moment groovy, agréable. Moi, je le fais avec mon doigt ici. Je balance pour droite à gauche. Tu peux faire ce que tu veux avec tes bras, mais il y a droite, gauche avant de prendre. Main, main, reviens, mouline en bas, un accent, un deuxième accent et chou, une grande respiration et c'est terminé. Du coup, on va voir ça pour la musicalité encore une fois. On est arrivé. Everything is gonna be alright. Elle dit, people keep talk. King, boom, saute, roule, remonte, I don't worry, cause everything gonna be alright, et basse. Encore une fois, toute la deuxième partie. Du coup, on va reprendre d'ici. You and me together, boom, through the days and nights. I don't worry, cause everything's gonna be alright. People keep talking, boom, they can say what they like. I don't worry, cause everything's gonna be alright, et boom. Donc ouais, c'est un petit peu rapide la fin. On va se l'écouter et on a fini la chorégraphie, du coup il n'y a plus qu'à la bosser maintenant. Let's go. Together, through the days and nights.
arrive à la fin de ce petit tuto. Si vous avez le moindre doute sur des qualités de mouvement, des intentions, que je n'ai pas été assez clair peut-être, vous pouvez vous référer à la version que j'ai postée sur mon feed Instagram. Je pense que c'est la version la plus propre sur laquelle vous pouvez vous référer. Mais néanmoins, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez autant pris du plaisir que moi j'ai eu à la créer. Et n'hésitez surtout pas à vous filmer en la dansant, à me taguer dessus. Et n'oubliez pas de taguer aussi le compte de Neodance Academy. J'ai trop hâte de voir vos versions et vos interprétations. Et du coup, on se dit au revoir et à bientôt peut-être pour un prochain tuto. Bye!